On va passer une petite heure ensemble autour des opérateurs et de Kubernetes. Alors, je ne vois pas le chat pendant que je présente. Donc, je suis désolé si vous me mettez des messages. Je les regarderai plus tôt après. Je pense qu'il y aura un petit temps de questions-réponses. Normalement, ça passe largement. Donc, voilà, désolé par avance, je ne peux pas voir vos réactions en temps réel. Je pense que s'il y a un problème de visibilité ou de lisibilité, les orgas me feront signe, mais du coup là, j'ai tout mon écran. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler opérateur, développeur, Java, et de voir ensemble que c'est pas forcément des mondes antinomiques. Un petit merci aux sponsors qui organisent CloudWest. On en a parlé dans la keynote, mais voilà, je leur fais un petit moment. Et puis un gros merci à vous qui est venu m'écouter et partager ce moment ensemble. Et un gros merci aussi à CloudWest pour avoir sélectionné ce talk. Je vais tout de suite faire un petit disclaimer par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fait des notions, les opérateurs Kubernetes, avec des mots et des termes qui sont les miens. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, ça veut juste dire que c'est peut-être pas ce qu'on peut voir dans les docs officiels, etc. Tout simplement parce que je ne suis pas un ops, je ne suis pas un expert Kubernetes, je suis d'abord un développeur qui utilise Kubernetes. Et c'est vraiment l'objectif de cette présentation, c'est de voir comment on peut, en étant développeur et pas forcément expert Kubernetes, rentrer dans le monde des opérateurs. Alors la première question que moi je me suis posée, en fait, mais c'est quoi un opérateur? Quand j'ai entendu ce terme-là, j'ai pensé d'abord à ça, en me disant, ok, c'est quelqu'un qui fait plein de trucs à la fois. Et puis au fur et à mesure, on m'expliquait ce que c'était, je me suis rendu compte que c'était certainement un super truc qui faisait plein de choses pour moi. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi un opérateur, mais c'est au final, c'est un peu ce qui nous drive en tant que développeur. C'est pourquoi je ferais des choses à la main alors qu'une application peut le faire pour moi. Donc c'est vrai pour les opérateurs, mais c'est vrai bien sûr pour tous les devs qu'on fait tous les jours. L'idée, c'est d'automatiser et de faire des choses à nos développements qu'on pourrait faire à la main mais qui sont rébarbatives. Et une des choses, moi, comment dire, qui m'ennuie le plus dans mon Kubernetes, ce sont les manifestes LIML. Alors on verra qu'il y en a toujours un petit peu, mais pour moi aussi, les opérateurs vont simplifier la vie aux utilisateurs de mes applications pour les déployer, etc., et minimiser un peu l'enfer du YAML et du manifest. On y reviendra un peu plus tard. Du coup, ce qu'on va voir ensemble, on va voir un peu les principes de base des opérateurs avant de basculer dans la partie démo. Mais je pense que c'est important qu'on parle le même langage et qu'on voit un peu ce que ça représente. En fait, les opérateurs, c'est avant tout un pattern qui est clairement défini dans la doc Kubernetes et dans la doc du CNCF. Du coup, je me suis permis de reprendre deux parties de cette doc. Et ça revient à ce que je disais à l'instant. C'est en gros, ce que je veux, c'est refaire les choses que font un humain, notamment en termes de gestion d'application, que ce soit son déploiement, sa maintenance en condition opérationnelle, etc. Et surtout, de se dire, si j'ai des actions qui sont ennuyeuses à refaire et fréquentes, autant l'automatiser par un dev. Ça ne veut pas dire remplacer un ops par un dev, ça veut surtout dire lui enlever les tâches rébarbatives qu'il fait tous les jours, qu'elle ou il fait tous les jours. Du coup, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la notion d'API dans Kubernetes. Donc, si vous connaissez Kubernetes, vous connaissez déjà les API. Et en fait, ce qui est bien avec les API Kubernetes, donc notamment celles qui sont existantes, hein, par exemple les deployments, les services, c'est qu'on peut en rajouter. Et du coup, quand on rajoute une API, on va modifier le comportement de Kubernetes, par son comportement, c'est surtout sur les services qu'il offre, sans devoir potentiellement aller modifier le cœur et le code de Kubernetes en gros. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et c'est basé sur une custom resource définition. Son petit nom, c'est CRD. On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc la custom resource définition qui vient avec ça, custom resource. Donc, c'est là où je commençais à rentrer dans les analogies et les parallèles avec le développement. Donc, une custom resource définition, ce n'est rien d'autre au final qu'une sorte de schéma. Si je prenais l'exemple Java, une classe qui définit en fait comment est composée cette custom resource définition. Là, on voit qu'il y a un YAML et ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau de la petite flèche bleue. Là, je définis en fait une custom resource définition qui a un champ name de type string. Et sa custom ressource, en fait, c'est une sorte d'objet, une sorte d'instanciation de cette custom ressource définition où je vais valoriser
ce champ. Et donc, je retrouve le kind qui est Hello World Custom Resource, qui est mon type de Custom Resource définition. Et dans la partie spec, la propriété name que je valorise ici avec une chaîne de caractères stef. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et on verra que c'est vraiment la base de notre opérateur. L'autre élément important, c'est la boucle de réconciliation. Et en fait, ça vient du pattern contrôleur au sein de Kubernetes. C'est vraiment quelque chose de central dans Kubernetes. On en connaît un tous. Donc je mets la définition, mais l'objectif en fait de ça, c'est Kubernetes, on lui dit j'ai une ressource qui doit être dans un certain état et je veux que toujours tu t'arranges pour qu'elle garde cet état. Un élément, une ressource qu'on connaît très bien quand on fait du Kubernetes, c'est le nombre de réplicas. Si on dit je veux deux pods, en fait Kubernetes va tout le temps essayer de maintenir cet état au plus possible à deux pods. Donc s'il y en a un qui tombe, il va le recréer, etc. Et à chaque fois, il va faire ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de boucle de réconciliation. Et en fait, ça, c'est le contrôleur. Et on va voir que dans les opérateurs, ça va être vraiment le centre de notre opérateur où on va pouvoir bénéficier de ce pattern contrôleur pour faire autre chose que gérer les éléments internes de Kubernetes. Donc c'est vraiment hyper important. Et on verra qu'en fait, tout tourne autour de ça dans notre code. Donc au final, un opérateur, c'est la somme de tout ce que je viens de dire. Donc c'est l'API avec sa custom resource définition et du coup sa CR, c'est le contrôleur. On le voit sur le petit schéma ici et on verra un peu en ouverture à la fin du talk, c'est que moi la démo, je vais la faire sur des éléments internes déployés dans Kubernetes, mais au final, l'avantage d'un opérateur, c'est qu'on va pouvoir vraiment monitorer, gérer n'importe quel type d'applicatif dans notre SI, tout en bénéficiant de la puissance de Kube pour tout ce qui est gestion des événements et de notre opérateur en lui-même. Dans la doc, il est conseillé de gérer une et une seule application, encore une fois, qu'elle soit déployée ou pas dans Kubernetes. Alors, c'est une bonne pratique, mais ce n'est pas une obligation technique. Mais en règle générale, un opérateur vaut mieux qu'il gère une seule application. C'est plus simple aussi pour votre code, de toute façon. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de maintenir l'état de l'application avec ce qu'on a déclaré à l'origine de notre custom resource. On verra tout à l'heure, mais c'est vraiment cette boucle de réconciliation qui va être au cœur de notre opérateur. On va dire deux grandes familles d'opérateurs. On a les opérateurs qui ont simplement comme objectif d'installer et de désinstaller, voire de mettre à jour une application. Donc plutôt simple, mais qui rendent quand même des services. Et puis après, plus on va aller dans les fonctionnalités avancées d'un opérateur, plus il va pouvoir faire de choses. Donc notamment, il peut faire des sauvegardes et des restaurations un peu complexes. On a des applicatifs qui peuvent avoir besoin de sauvegarder dans un certain sens ou à certains moments, par exemple, de l'observabilité. Donc là encore, on peut rajouter des checks sur les applications qui ne sont pas fournies en standard pour action derrière. La scalabilité, j'en ai parlé avec l'exemple du réplica set, mais on peut très bien ajouter aussi d'autres fonctionnements sur la scalabilité qui permettent de dire, OK, là par exemple, c'est pas parce que j'ai pas 100% de CPU de prix que je dois pas augmenter d'un pod, j'ai d'autres choses qui rentrent en compte et donc du coup je vais me permettre d'augmenter ou de diminuer. Et même aller jusqu'à l'autoconfiguration. Un exemple, je déploie une application avec, je sais pas, tant de mémoire allouée pour la JVM et en fait l'opérateur va être assez intelligent pour modifier la configuration, non pas à chaud mais aussi à froid, pour que la prochaine fois on va redéployer l'application, elle soit déployée directement avec la bonne configuration, puisqu'on sait qu'à terme il faut qu'elle ait cette configuration. Donc voilà, c'est ces exemples de petites choses. Et avant d'aller un peu plus loin pour voir comment on en développe un, moi je voulais juste revenir sur une chose. Alors ça peut paraître évident si vous connaissez déjà le monde des opérateurs ou si maintenant avec ce que j'ai présenté, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais au final, un opérateur, ce n'est qu'un pod, on va le voir, qui exécute une application. Et ce qui moi, pour moi, n'était pas évident au début. Pour moi, c'était forcément fallait faire du Go, rentrer dans le cœur de Kubernetes, etc. Et donc, du coup, ça peut être développé avec n'importe quel langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le voir en Java. Mais au final, quel que soit le langage que vous aimez, vous pouvez développer un opérateur. Il suffit juste, entre guillemets, avec des gros guillemets, du coup, d'appeler soit les API Kubernetes ou d'utiliser un client compatible. Donc, du coup, vraiment, c'est ouvert à tous. Il faut juste bien respecter les patterns que j'ai présentés rapidement il y a 5 minutes et on peut faire un opérateur.
L'autre truc, c'est d'utiliser des frameworks. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il en existe plein maintenant, notamment sur la doc de Kubernetes. Il y a une page qui est dédiée à ça. Du coup, les objectifs des frameworks, c'est bien sûr de se simplifier la vie, que ce soit du côté dev ou côté packaging. En fait, déjà, ils sont plus simples à prendre en main que les API vanilla de Kubernetes ou même les clients. Ils rajoutent une abstraction qui est quand même agréable. Ça permet de se concentrer sur ce que moi j'appelle le code métier. Donc, quand je dis le code métier, c'est vraiment mon application que je veux gérer et pas toute la mécanique interne des opérateurs, des contrôleurs au sein de Kubernetes. Donc, ça, c'est quand même super important. Alors, un des plus connus, c'est l'opérateur SDK. Alors, c'est un des plus connus parce que c'est un des plus utilisés et qui est aussi référencé quand même bien dans la doc. Là, on voit que on retrouve des niveaux. En fait, c'est l'analogie, c'est le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les fonctionnalités en vert et en bleu. Donc, en fait, le level 1 et le level 2, c'est les fonctionnalités simples d'un opérateur. Donc, ce qui était en vert et ce qui est en bleu, c'est ce qu'ils ont classifié en level 3, level 4 et level 5. On voit que pour ça, pour tout ce qui est un opérateur qui simplement installe et met à jour, on peut le faire en Helm et après il permet de faire en Ansible et en Go pour un opérateur avancé. Donc moi, une fois que j'ai découvert ça, j'étais OK, super, mais moi je suis développeur Java. Je connais Helm, mais j'ai pas trop envie d'en faire et puis ça me permet pas de faire ce que je veux. Je connais pas Ansible et je connais un peu Go, mais c'est pas mon langage de prédilection. Du coup, je me suis un peu intéressé à ce qui existait sur le marché et j'ai découvert le framework Java Operator SDK. Donc, il y a un framework qui a vu le jour il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui est fortement poussé par Red Hat, mais c'est pas un produit Red Hat, c'est un produit vraiment communautaire, open source. Après, il y a des gens de chez Red Hat qui participent activement, donc ça garantit aussi qu'ils bougent beaucoup. Donc ça, c'est plutôt bien. Et les principales fonctionnalités de ce framework, en fait, c'est qu'il est déjà basé sur le client Kubernetes Fabric 8. Je ne sais pas si vous connaissez ce client pour manipuler, pour interagir avec Kubernetes ou avec même vos images Docker. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. C'est pour moi le meilleur client à l'heure actuelle quand on fait du Java et qu'on veut un peu échanger avec simplement avec un cluster Kube. On peut créer le squelette applicatif. Alors uniquement pour le mode Quarkus, on verra qu'il y a plusieurs modes, mais donc du coup on peut créer le squelette applicatif facilement. On va avoir vraiment une facilitation de génération de la CRD et du contrôleur avec de manière assez classique dans le monde de Dev Java des annotations. On a bien sûr là pour nous la gestion de la boucle de réconciliation. Encore une fois, c'est le cœur de notre opérateur, on va le voir, et c'est super important que ce soit géré pour nous. On peut s'exécuter en local sur notre PC, donc forcément avec un débugage possible. Donc c'est plutôt un confort d'utilisation qui est très appréciable. Ça n'empêche pas qu'il nous faut un cluster pour déployer la custom ressource et potentiellement les autres éléments que l'on voudrait gérer. Mais en mode dev, on va pouvoir vraiment l'utiliser comme un dev Java classique sur notre machine. On a une intégration avec Spring Boot et Quarkus, j'en ai parlé, mais avec Spring Boot, alors c'est assez simple, c'est une intégration avec simplement un arrobas component, mais on peut aussi le faire en Java pur, j'y reviendrai juste après. Et puis, ça nous facilite le packaging et le déploiement de l'opérateur. On le verra à la fin de la démo. L'idée, c'est quand même de ne pas le faire tourner sur notre machine ad vitam aeternam, donc il y a tout ce qu'il faut pour le packager et le déployer sur notre cluster. Un petit zoom de comment c'est organisé. Donc tout en haut, la Java Operator SDK, c'est donc du coup le cœur, c'est vraiment le cœur du framework. Il est utilisé par l'extension Quarkus et par le Spring Boot Initializer. Et la petite subtilité, c'est que l'opérateur SDK plugin qui est écrit en Go, en fait, il est packagé, celui-là, dans le premier opérateur SDK que je vous ai présenté qui permet de faire du Go, du Helm, du Ansible. En fait, ils ont un mécanisme de plugin qui permet à n'importe quel langage, au final, de développer un petit plugin pour justement créer le squelette applicatif du projet. On va le voir tout à l'heure. Et donc, du coup, ça permet de centraliser un peu toutes les technos possibles pour faire un opérateur tout en faisant un bootstrap de projet. Donc, les démos, justement, j'en parle depuis tout à l'heure. On va faire deux petites démos. Une première à Hello World, parce qu'il faut toujours commencer par Hello World. Ça va nous permettre de créer le projet en Quarkus, de créer tous nos éléments de base avec notamment la CRD et l'API. On va ensuite l'exécuter en mode local. On fera certainement pas de debugging sauf s'il y a un bug. Et on va bien sûr utiliser le mode développeur de Quarkus. Ensuite, quand on aura fait ça, on va se faire un cas un peu plus concret.
On va toujours créer une CRD et on va surtout gérer le déploiement d'un Nginx. Et on va s'amuser à supprimer des ressources qui ne sont pas gérées en standard par Kubernetes, notamment les services, et voir un peu comment on peut automatiser la recréation de ce genre de ressources. On va le packager et le déployer ensuite dans Kubernetes, puisque l'idée, ce n'est pas qu'il tourne indéfiniment sur notre machine. Alors, on va passer à la partie démo. Alors, la partie démo, je vais faire du Git coding et pas forcément du live coding. Je m'explique, je vous ai préparé un petit repo, CloudWest Java Operator. Dans ce repo, en fait, il y a tout un README qui explique toute la démo que je vais vous jouer, qui va notamment me permettre aussi d'avoir mes antisèches en termes de commandes, parce que sinon, je vais forcément faire des erreurs. Dans cette démo, dans ce repo, pardon, j'ai plein de branches et en fait chaque branche correspond à une étape de la démo. Donc ça vous permet de la rejouer après tranquillement de votre côté, de me soumettre des PR sur des erreurs ou des améliorations qui vous sembleraient utiles. Donc voilà un peu l'idée. Alors on va commencer. Donc moi j'ai déjà passé la phase d'init, donc je vais rester sur cette page-là. L'init du projet, je vous disais, on va utiliser la clé du opérateur SDK qui permet d'écrire en Go. Cette clé, c'est opérateur SDK. On lui passe la commande init, on lui dit je veux créer un projet de type Quarkus. J'ai un regroupement logique FR ou et mon project name c'est CloudWest Op Java Operator. Une fois que j'ai passé cette commande, en fait, il va me créer une arborescence de sources qu'on voit ici, donc qui est assez simple. Dans un premier temps, un application properties. On y reviendra, il y a des propriétés propres au SDK Java et d'autres à Quarkus. Le POM XML avec toutes les dépendances qui vont bien. Et un Makefile qui nous permet de se faciliter la vie sur certaines commandes pour installer, déployer et construire l'image avec les Docker Build et Docker Push. On y reviendra. Donc là, au final, bon, il n'y a pas, vous vous doutez que. À ce moment-là, j'ai pas grand-chose qui est à compiler. On peut commencer à se mettre dans le mode Quarkus Dev. Il y a peu d'intérêt au final, mais voilà, Quarkus se lance. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer tout de suite à la deuxième étape que je vais vous afficher. Là encore, c'est alors dans toute la doc que j'ai écrite, il y a vraiment tout le détail. Là encore, on peut utiliser la clé de l'opérateur SDK pour créer l'API, la CRD et même un peu plus, on verra. Donc, je rappelle la clé, je fais create, API, sa version et en gros son nom. Ici, Nginx opérateur. Du coup, je vais juste changer de branche pour vous montrer ce que ça donne. On voit que Quarkus en bas, il fait son petit magic reload. Il y a une exception, je vous expliquerai pourquoi. C'est les fameuses erreurs normales des développeurs. Pour le coup, celle-ci, elle est, on va dire qu'elle est vraiment normale. Je fais un peu de ménage pour que ce soit plus clair. Alors, qu'est-ce que nous a créé cette commande? Elle nous a créé quatre éléments. Elle nous a créé deux classes, deux simples POJO, qui sont l'équivalent de la partie spec et de la partie status de notre custom ressource définition. Dans mon cas, pour l'instant, ils sont vides. La custom ressource définition, c'est ni plus ni moins qu'une classe ici qui étend custom ressource en spécifiant la spec et le status des POJO que je vous ai montré tout à l'heure avec un corps vide. Ça suffit. Et ici, en fait, on va définir la custom ressource définition. Le contrôleur, donc, qui est le cœur de notre opérateur, il est aussi généré avec injection du client Fabric 8 pour Kubernetes. On implémente l'interface Reconciler, on lui passe la custom ressource définition. Derrière, on a deux méthodes à implémenter. On a Reconcile et on voit pas une autre parce qu'elle est implémentée par défaut qui est Cleanup. Donc la Reconcile, ça va être à chaque fois que j'ai un événement sur ma custom ressource, je vais rentrer dans cette méthode. La Cleanup, c'est dès que je vais supprimer la custom ressource. Et comme il est sympa, il nous a déjà généré en fait la custom ressource définition, ici pour l'instant vide, puisque j'ai pas défini ni de spec ni de status, et du coup, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Alors, la petite exception qui est là, en fait, elle est assez simple. C'est que, comme je suis en mode local,
Ce qui se passe, c'est qu'il va quand même se connecter à mon cluster Kubernetes. Et comme j'ai déclaré un opérateur qui a un contrôleur qui utilise une custom ressource définition de type Nginx opérateur, lui, il cherche cette custom ressource sur mon cluster Kubernetes. Et c'est pour ça qu'il ne la trouve pas. Donc, du coup, ça, on va y remédier. Et avec une petite option plutôt sympa, qui permet en fait de, en mode dev, alors c'est vraiment à faire en mode dev, de m'affranchir de ça. Je vais réafficher l'application Properties et l'option dont je vous parle, c'est celle-ci, là, la Quarkus Operator SDK CRD Apply égale true. En fait, cette option, elle me permet, quand je suis en mode développeur, de dire, moi, dès que je vais avoir une génération, une modification de ma custom ressource, tu me l'appliques sur mon cluster Kubernetes. Alors par contre, du coup, je suis quand même obligé de relancer. C'est le seul moment où je relance le mode Quarkus Dev pour qu'il la prenne en compte, qu'il la compile et qu'il la mette. Voilà. Donc là, en fait, maintenant, il ne dit plus rien. Il me dit tout va bien. On voit qu'il trouve ma version de mon opérateur, mon client Fabric 8. J'ai toujours ma CRD qui est générée. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que si je vois sur mon cluster. Alors, un tout petit peu, hop, ça devrait suffire. Et que je vais voir, ça c'est le client KNFS. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage fortement à l'utiliser. C'est quand même assez magique et assez sympa. Et si je vais voir, on voit bien qu'ici il m'a créé cette fois ma custom ressource. Je vais voir le YAML, bon, qui est toujours pareil, qui est toujours vide, mais en tout cas, il est là. Donc ça c'est plutôt vraiment, c'est vraiment sympa. C'est franchement, moi j'aime beaucoup cette option-là du framework. Parce qu'à partir de maintenant, moi, je ne vais pas m'amuser à aller appliquer le YAML. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un kubectl moins f à faire, mais enfin apply-f, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Rentrons dans le sujet du Hello World. Je vous rappelle, je vous avais dit qu'on commencerait par un Hello World. Donc, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous inquiétez pas sur les logs de Quarkus, il va faire son petit boulot habituel. Je vais faire un peu de ménage, comme ça, on repartira sur tout. Donc mon Hello World, il est simple. Ce que je veux, c'est créer une custom ressource avec un champ name. Et dedans, si je mets quelque chose, quand elle est créée, il met Hello la chaîne. Et quand je la supprime, il met Goodbye la chaîne. Voilà, c'est plutôt simple. Du coup, je vais commencer par modifier ma spec. Alors moi, dans la démo, je ne vais pas toucher au status. J'aurais pu, pour stocker les états, etc., pour simplifier. J'en fais pas. Donc en fait, ma spec, je vais juste rajouter un champ name, getter setter, voilà, vraiment un Pojo Java de ce qui est le plus classique possible. Ma CRD, j'y touche pas, mais déjà du coup, ici, si je vais voir, il m'a généré, dans le spec, il m'a généré mon champ name de type string. Et comme je suis en mode dev, si je vous ai pas menti, en théorie, sur la custom ressource définition sur mon serveur, ici dans les specs, le name est bien apparu de type string. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, le reconciler en lui-même. Donc, comme ça, Hello World, c'est très simple. La méthode reconcile qui va être appelée au moment où on va créer la custom ressource. Là, je fais un bête système out println. Je vais chercher dans la custom ressource, dans son spec, je vais chercher le champ name. Et la cleanup dont je vous parlais tout à l'heure qu'on n'avait pas vu à l'init, mais qui du coup là est surchargée, ou pareil, je fais la même chose, sauf que j'affiche goodbye. Voilà, c'est vraiment très simple. Et donc maintenant, on va pouvoir un peu tester notre opérateur. C'est là où je vais reprendre mon anti-sèche pour passer les bonnes commandes, ça m'évite. Donc on va se créer un namespace de test. Hop. Et on va pouvoir, alors je ne vous ai pas montré, je vais vous la montrer quand même, la custom ressource de test. Donc de type Nginx Operator, c'est juste que je ne voulais pas créer deux CRD, vraiment créer qu'une seule, donc elle nous servira tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, spec, name, et j'ai mis une valeur CloudWest 2022. Et du coup, il ne me reste plus qu'à appliquer cette CR. Je vais mettre VS Code derrière, je vais diminuer ça, avec un peu de chance, on verra un peu les choses se passer.
Et là, vous voyez, j'ai appliqué et on voit bien que je suis rentré dans mon opérateur. Il m'a mis un beau message, Hello Cloud West 2022. Donc là, j'ai vraiment fait toute la boucle, je suis rentré dans le reconsolideur, donc bah, tout va bien. On va tester la suppression. Et là, je re-rentre dans la cleanup cette fois avec le message goodbye. Donc c'est vraiment très simple. L'idée, c'était pas de rentrer dans le dur tout de suite, vraiment pour vous montrer la mécanique. Alors moi, j'aime bien, en tant que développeur, j'aime bien pouvoir me dire que j'ai pas eu besoin de faire 10 000 trucs, d'être expert. L'idée, c'est pas non plus tout d'un coup d'ouvrir et de dire que les experts Kubernetes savent rien. Hein. C'est juste de dire, voilà, facilement, on peut faire ça. Et accessoirement, alors après on partage ou on partage pas, mais il y a une des grosses notions dans les 12 factors qui sont de bonnes pratiques de conception, qui est de dire normalement il faut garder le maximum la même techno pour tout un cycle de vie applicatif. Là on voit qu'en fait sur la partie déploiement et surveillance et action de mon application, je peux créer mon application en Java, je peux l'écrire en Java, je peux aussi faire mon opérateur en Java. Donc c'est plutôt sympa. Passons à un cas un peu plus concret, réaliste, on va dire. Et donc, c'est la partie Nginx. Alors là encore, ça va être essentiellement de, si vous avez suivi, on va changer le spec, c'est-à-dire qu'on va rajouter les notions nécessaires pour gérer mon Nginx. Donc, dans mon cas, ce qui m'intéresse, un replica count et un port, c'est encore une fois ce que je vais faire. On peut le faire en standard avec Kubernetes, la plupart des éléments. C'est juste pour vraiment vous montrer comment on pourrait le développer. Donc, toujours pareil, c'est un simple POJO. Donc, ça ne change pas. Ma CRD, elle ne change pas. Du coup, normalement, bah, vous êtes habitué maintenant. Il m'a mis à jour mon YAML qui me permet de créer ma CRD. Il m'a rajouté un port, un replica count. Et vous vous doutez que, comme je suis en mode développeur, si je vais rechercher ici, la CRD qui est déployée, je vais me retrouver avec le port et la réplica code. Encore une fois, mode développeur qui marche quand même plutôt sympathique. Le gros du changement, bah, vous vous en doutez certainement, c'est sur la partie reconciler. Alors, c'est là où il y a le plus de changements, mais encore une fois, ça reste très logique. Donc, pour l'exercice, j'aurais pu écrire en pur builder avec Fabric 8, tout la partie deployment et service de Nginx. Je vais vous montrer rapidement, je l'ai dans un onglet. Voilà. Typiquement, si je vais sur la partie deployment, okay. C'est original. Service. Voilà. Ici, on voit qu'on pourrait créer tout l'équivalent du YAML, d'un deployment.yaml en notation pointée, donc avec un builder, et vraiment mettre de la généricité et du dynamisme. On retrouve vraiment tout avec les metadata, les specs, la partie conteneur, etc. C'est ce que permet de faire le client fabricate. Moi, pour la démo, j'ai choisi de simplifier un peu, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé ici, je me suis préparé deux petits YAML, un pour le deployment, un pour le service. Et en fait, dans le code, j'utilise une petite méthode utilitaire qui notamment utilise une classe de Fabric 8 de serialisation qui me permet de marshaler et unmarshaler un objet par rapport à un fichier. Donc, dans un cas, le unmarshal, il va me prendre le fichier YAML et me créer l'objet correspondant, dans mon cas, un deployment ou un service. Et si j'avais un objet service ou un objet deployment, il me créerait le YAML. C'est aussi pratique si vous avez besoin de générer. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, la première chose que je fais, c'est que je crée le deployment, l'objet deployment à partir du fichier que je vous ai montré. Je positionne mon nombre de réplicas. Je le mets dans le namespace de la CR que je viens de créer, puisque l'idée, c'est que je veux créer le Nginx dans le namespace de la CR. Et puis je lui dis, tu me le crées ou tu me le remplaces, il existe déjà, ça m'évite de faire des tests. Alors, pour être un peu plus optimisé, ici, je pourrais aussi me permettre de tester s'il existe déjà et qu'il a le bon nombre de réplicas. Ça sert à rien que je refasse tout ça. Là, l'idée, c'était d'alléger un peu le code. Je fais exactement pareil pour le service. Et puis derrière, j'ai mon cleanup qui est vraiment dans le même esprit. C'est, je vais chercher dans le namespace le deployment et je le supprime. Je vais chercher
les services. Alors, dans mon cas, je sais qu'il s'appelle Genix Service. Encore une fois, on est sur une démo, on pourrait les lister et récupérer que ceux qui ont un certain label ou etc. Et je le supprime. Donc vraiment, à mon sens, plutôt du code assez simple. Et on va voir, on va un peu jouer avec maintenant. Donc je vais reprendre ma petite anti-sèche pour les commandes. Ça évitera que. Voilà, on va se créer un namespace pour tester ça. Pardon. On va derrière, je vous ai pas montré la CR, je vais quand même vous la montrer à chaque fois. La CR de test, j'en ai une deuxième du coup, qui est encore de type Nginx Operator. Cette fois, je lui mets le replica count et le port. Donc vraiment, rien de bien énorme, mais ça va permettre quand même d'illustrer tout ce qu'il faut. Et comme tout à l'heure, on va mettre VS Code en dessous. Voilà. J'applique la CR. On voit qu'ici, j'ai une ligne de log, donc je suis rentré dans mon opérateur. On va aller voir dans le namespace. J'ai bien mon pod. J'ai bien mon service. On peut aller voir un peu, hop, ce que ça donne. Et donc là, ça fonctionne. Et de manière très subliminale, je pense que vous avez deviné pour quelle société je travaille. Donc ça marche plutôt bien. Et derrière, ce qu'on peut s'amuser à faire tout de suite, je vais partir sur la bonne branche. Vous vous doutez que la mise à jour, en fait, va déclencher aussi un événement. Donc là, en fait, ce que j'ai juste fait pour, j'ai juste mis à jour le replica count à 2 et j'ai changé le port. On va repasser la CR. On voit que je repasse dans mon opérateur. Ici, le port est bien sûr maintenant le port 3080 et j'ai bien deux pods qui sont créés. Donc là, vraiment, en fait, hein, il est repassé dans le code ici et puis il a refait ses actions nécessaires que je vous ai illustrées tout à l'heure. De mémoire, il faut que. Oui, voilà. Ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est un peu ajouter un peu de. D'intelligence. Ici, mon opérateur, donc j'ai un service, je vais me repositionner dessus et je vais le supprimer. Mettons que, je sais pas, pour une raison X ou Y qui tombe, ou alors on fait une erreur et je le supprime. Donc je le supprime. On voit qu'il ne s'est rien passé dans mes logs, donc a priori, je ne suis pas rentré dans mon contrôleur. J'ai pourtant mon service qui est bien supprimé. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passerait? Bah en fait, il y a les anomalies qui arrivent, les téléphones qui sonnent, les mails qui arrivent de partout, et donc un ops va recréer le service. On voit ici que c'est un peu dommage parce qu'il suffirait simplement d'avoir à un moment donné un programme qui se rende compte que le service n'est plus là et qu'il faut le recréer. Bah, c'est ce qu'on va faire en fait, nous, avec notre opérateur. Alors pour repartir, pardon, sur quelque chose de propre, je vais juste supprimer ma CR, puis de toute façon comme ça. On va voir que je repasse dans le cleanup. Hein, j'ai le petit log du cleanup. Ici, j'ai plus de service, ça c'est normal. Et j'ai plus de pod non plus. OK, donc on va se. On va partir sur la partie qui nous permet de gérer la suppression du service. Donc comment ça se passe? En fait, ça se passe de manière assez simple. On va juste, je vais juste faire, voilà, un peu de ménage. En fait, mon code en lui-même n'a pas beaucoup changé. J'ai juste, dans mon service ici, au moment de la création du service, je l'ai juste rattaché à la CR. C'est-à-dire, je lui ai mis une owner référence. Et en fait, juste en faisant ça, en disant, toi, service, tu vas avoir comme référence la CR, ou plutôt la CR va être mère de ce service, va faire que quel que soit le type d'événement qui va arriver sur le service, ça va déclencher mon opérateur. Et donc, ça va passer dans la boucle de réconciliation. Donc, on verra que ça a des petits effets de bord. Mais en tout cas, le service, normalement, s'il lui arrive quelque chose, en tout cas, s'il déclenche un événement sur une des actions de ce service, je vais repasser dans la boucle de réconciliation. On va tout de suite le mettre en lumière. Je vais créer la CR. Je la recrée.
On part sur. Tac, tac. Donc, normalement, je vais vérifier. Voilà, j'ai mes deux pods et j'ai mon service. Donc, tout va bien. Derrière, je vais le supprimer. Je vais mettre mon VS Code derrière. Hop. Là, on voit que j'ai eu deux lignes de log. On va quand même vérifier vite fait mon service. On voit qu'il a 5 secondes, donc il a bien été recréé. Pourquoi j'ai eu ces deux lignes de log? D'ailleurs, j'en ai même eu deux au début. Bon, en fait, c'est que la première ici, ça correspond bien à « Ah, mon service a été supprimé, je rappelle mon reconciler ». Et je vous l'ai dit, comme j'ai fait simple, j'ai dit « Tout événement qui arrive sur le service, tu repasses en reconciler ». Donc, ce qui se passe, c'est que la création aussi est un événement. Et donc, du coup, au moment où il a recréé, il a régénéré un événement, il est repassé dans le reconciler. Donc, c'est là où il faut faire attention quand on bascule dans de la surveillance d'événements un peu périphériques à notre custom resource, parce que donc la custom resource, elle est surveillée en standard par mon opérateur. Par contre, je peux très bien surveiller n'importe quoi qui est dans mon cluster ou même ailleurs. Bah, de faire attention, c'est qu'on a vite fait de générer plein d'événements dans tous les sens, et de se retrouver peut-être avec des boucles ou avec des comportements qu'on n'avait pas forcément anticipé et souhaité. Donc à faire attention, par contre, c'est super pratique et super puissant. Je vais supprimer l'ACR tranquillement, et puis on va passer au packaging avant de clore. Hop. Donc là, voilà, il m'a tout supprimé. Je vais arrêter le mode dev. Et on va passer à la partie déploiement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en local un opérateur, soit HelloWorld, soit Nginx. On peut vraiment se lâcher sur la partie dev, on peut tout faire. C'est ce que je vous disais aussi. Là, moi, j'ai déployé un Nginx dans un cube, mais j'aurais pu déployer autre chose sur du on-prem, enfin sur du bare metal. J'aurais pu aller dans le cloud chercher, je sais pas, des sources dans GitHub par exemple, aller m'abonner à un webhook ou vraiment imaginez tout ce que vous pouvez faire. Mais je suis en local. Donc l'idée maintenant, ça va être, comme vous vous en doutez, de partir à le déployer pour que l'opérateur lui fonctionne et s'exécute sur Kubernetes. Alors ça va jouer. Déjà, au niveau de l'application Properties, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir lui dire, tu me construis mon image. Donc, l'image, elle va être construite, l'image de mon opérateur. On peut la pusher. Moi, je l'ai mis à false parce que j'ai déjà pushé sur mon Docker Hub. Là, c'est mon compte Docker Hub. C'est le nom de l'image qui va contenir mon opérateur. Et ici, c'est le namespace qui va contenir le pod de mon opérateur. Tant qu'on est dans Kubernetes, une petite subtilité. Quand je vous ai exécuté toute la démo, je l'ai exécuté avec la configuration de mon client Kubernetes. Il se trouve que moi, je suis admin de mon cluster. Mon opérateur, quand je vais fabriquer l'image et que je vais le déployer, il n'est pas admin du cluster, heureusement d'ailleurs. Du coup, vous voyez que moi, je vais aller voir dans les namespaces, je vais devoir pouvoir créer des choses dans d'autres namespaces, sauf qu'en standard, ça, c'est étanche. Du coup, on peut rajouter dans un répertoire Kubernetes qui est au niveau du main, dans un fichier qui s'appelle kubernetes.grkml, lui rajouter des droits, des airbags propres à lui. Alors là, moi, j'ai été très large, parce qu'à chaque fois, j'ai mis des ressources assez haut niveau avec tous les verbes, mais on peut vraiment aller customiser ça, et ça va être rajouté à toute la partie configuration du pod qui va être joué par le framework. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à générer de manière assez simple MVN clean package. Et en fait, ce que fait le framework, c'est qu'il utilise le JIB de Google pour fabriquer l'image. Et donc, il me fabrique une image qui est déjà packagée avec tout ce que je viens de faire. Et surtout, là où il est plutôt sympa, c'est qu'il me fabrique un kubernetes.yaml. Vous voyez qu'il est quand même assez long au final. Où dedans, j'ai toute la partie sécurité. J'ai notamment, vous voyez, là, on retrouve ma petite sécu à moi que j'avais mis, mais j'ai toute la partie sécurité propre à l'opérateur.
Et puis à la fin, j'ai un deployment.yaml aussi qui va me gérer tout ce qu'il faut. Et donc tout ça, j'ai pas eu à générer. C'est vraiment le framework qui le fait pour moi. Donc là encore, je trouve ça plutôt sympa. Bah donc jouons un peu avec cette partie-là. Donc on va refaire un peu la même démo une dernière fois. Je vais créer le namespace de mon opérateur. Vous vous souvenez que j'avais positionné ça. Pardon. Derrière, je vais pouvoir lui appliquer le fichier kubernetes.yaml qui a été généré dans le target que je vous ai présenté juste avant. Donc là, il me crée vraiment tout. On va aller voir tranquillement sur notre cluster. Ici, il m'a créé tout ce qu'il faut et on voit que voilà, Quarkus a démarré et là, il est prêt à jouer avec moi. Et donc du coup, alors on va je ne vais pas peut-être rejouer tout, mais je peux au moins recréer mes pods. Tac. On va voir que tout de suite l'opérateur se déclenche et vous vous doutez certainement que si je retourne, hop là, c'est pas le bon. J'ai bien mes deux pods qui sont de nouveau réapparus et mon service, etc., etc. Du coup, tout ça, ça marche de manière vraiment identique à tout à l'heure. Je vais supprimer le serveur Nginx que je viens de déployer. Oups, là, perdu. Et puis, je peux, à la fin, comme j'ai tout qui est dans un kubernetes.yaml, je peux tranquillement undeploy mon opérateur. Et il m'a tout undeploy pour moi. Voilà pour la partie vraiment pure coding. On a vu que c'était plutôt simple. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plutôt simple en tant que développeur Java. J'ai basculé un petit peu sur la partie slide. Pour finir avec deux, trois petites conclusions. Hop, ça en était là. Du coup, bah voilà, ça y est, on connaît les opérateurs Kubernetes. Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de les connaître. En tout cas, moi, mon objectif, c'est pas de les connaître dans le plus profond de comment ils sont designés, mais vraiment de pouvoir en créer de manière simple et sur un langage qui me plaît. Si on doit retenir deux, trois trucs. Le projet est jeune mais super actif. On en est déjà à la V3. C'est une vraie V3, hein. C'est pas une V3 commerciale, donc c'est vraiment des évolutions à chaque fois. Après, comme il est jeune, on voit que parfois il a un peu du mal à se synchroniser. Vous vous souvenez des briques que je vous ai montrées entre l'extension Quarkus, le plugin Go. On sent qu'il y a des petites synchros qui sont pas rapides, mais franchement, il est vraiment très réactif et c'est plutôt cool. On peut quasiment tout faire. En tout cas, moi, j'ai pas eu de blocage pour l'instant. Et donc, comme ils rajoutent des fonctionnalités très régulièrement, je pense que ce sera pas forcément le cas de ne pas pouvoir faire quelque chose. Le mode local avec le debugging et le pas-à-pas, donc on l'a vu, juste avec notre PC préféré, on peut coder. La génération et la mise à jour de la CRD, moi que je trouve vraiment quand même assez tranquille et transparente. C'est très ou trop, je sais pas, à vous de voir orienter Quarkus. Clairement, faut soit le faire en Quarkus, soit en Java Vanilla. L'avantage de le faire en Quarkus, c'est que je trouve qu'on bénéficie de la puissance de Quarkus. L'avantage de le faire en Java Vanilla, c'est que vous allez toujours au plus près de la dernière version. La Quarkus a une version de retard. Donc voilà, à vous de voir dans le choix, dans ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire aussi en Quarkus en utilisant la version Vanilla, mais du coup, vous bootstrapez pas votre projet avec le plugin, vous le faites à la main. Ça fonctionne aussi, mais il n'y a pas de problème. Puis bien sûr, c'est du Java. Et moi, c'est ce que je voulais, c'était développer un opérateur en Java et pas en Go. La suite, alors il y a l'opérateur Lifecycle Manager, j'en ai pas parlé. En fait, il fait pas réellement partie de la partie dev, c'est du packaging. Si vous connaissez pas, c'est une façon en fait de distribuer, notamment un peu à la Docker Hub, les opérateurs dans un opérateur Hub, mais aussi de les proposer à l'installation si vous avez déjà utilisé OpenShift, notamment. Ça permet d'avoir une belle page web avec les champs que l'on devrait mettre dans la CR pour appliquer et faire et déployer via l'opérateur. C'est plus un mode de packaging que vraiment du code. Donc je sais qu'ils ont travaillé dessus pour le rendre dans la doc et puis le faciliter. L'event sourcing, je vous en ai un peu parlé. Là, vous avez vu que j'ai plutôt joué sur la partie owner des ressources dans Kubernetes.
En fait, je sais qu'avec la V3, on peut maintenant s'abonner, enfin très facilement déclarer une ressource que l'on surveille. Par exemple, je parlais de Webhook, on pourrait très bien s'abonner sur la création de tags dans GitHub. Et du coup, de juste déclarer une classe qui fait ça, et après cette classe, avec une annotation, on dit ça, c'est un event, et ça va déclencher mon opérateur. Donc c'est plutôt cool. Je n'ai pas encore joué avec, mais j'ai assez hâte de jouer avec. Si on se projette un peu plus loin, j'espère que ça vous a donné envie et surtout que vous êtes rendu compte qu'en fait, vous pouvez vraiment tout faire avec les opérateurs, que ce soit de la CI, de la CD, que ce soit juste donner un mode de livraison et de packaging un peu plus sympa pour vos applications, que ce soit juste rajouter de l'automatisation dans de la surveillance de choses et que vous pouvez du coup le faire en Java. Donc c'est vraiment l'objectif. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je finis juste un petit peu par me présenter un peu plus précisément. Donc, vous l'avez deviné, je travaille pour OVH Cloud. On fait plein de choses sympas, notamment on fait du public cloud avec des offres managées Kubernetes sur lesquelles vous pouvez vous amuser à rejouer toute la démo que je vous ai présentée. Et donc, moi-même, je suis Stéphane Philippard. Je suis un baby DevRel puisque ça fait 5 mois que je suis DevRel chez OVH. Je suis aussi co-créateur d'un super meet-up à Tours, Talix, où on fait des meet-ups autour de l'agilité du dev et du DevOps. Si vous devez retenir un truc, c'est le Vuncher qui est ici, Trial FR04 2022. Prenez-le, essayez-le, ça vous donne un voucher de 150 € sur nos offres public cloud, où vous allez notamment pouvoir jouer avec le Kubernetes, mais pas que, nos bases de données managées et aussi la partie IA avec les GPU. Donc n'hésitez pas, prenez-le, testez-le. Le code source, je me répète, dites-moi s'il y a des coquilles, dites-moi si vous voulez voir des améliorations. Les handles, c'est là où vous pouvez me joindre, m'apostropher et discuter avec moi. Je vous ai mis un petit code barre et puis une petite URL, c'est pour un lien open feedback. Si vous pouvez prendre 30 secondes pour jouer le jeu et me dire ce que vous avez pensé de cette présentation, et ça me permet moi de m'améliorer, c'est hyper important. Je vais le rafficher, je vous montre juste la slide d'après. C'est tous les liens qui m'ont permis de construire ce talk. Donc, vous pouvez vraiment aller voir toutes les docs. Je remets la slide. Je regarde ma montre. Il est moins 10, donc je suis dans les temps. Du coup, je vais juste, hop, me permettre de passer comme ça, prendre le lien et le mettre dans le chat pour voir si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon écran pour les Finception. Et je mets ça. Et du coup, je ne sais pas après comment ça se passe, mais il y a peut-être un orga qui viendra m'aider. S'il y a des questions, je vous écoute. Bah du coup, merci beaucoup pour ta présentation. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré. Si. À vos questions. Vous pouvez les poser en direct, en chat. En déroulant à droite, il y a possibilité de poser des questions. C'est dur le matin. Durant le matin. Du coup, j'avais une question. Tu as développé quel genre d'opérateur pour de vrai avec ça? Enfin, comment vous les utilisez Ah, chez c'est une OVH? bonne question. Moi, j'ai pas développé d'opérateur pour de vrai en prod en Java. Tout simplement, en toute honnêteté, je pense pas que ce soit encore ultra ready prod. OK. Y en a, c'est une chose que je m'étais dit qu'il fallait que je note, c'était que je rajoute des liens vers des opérateurs Java, enfin écrits en Java qui sont en prod. Le projet est vraiment jeune, donc moi j'ai surtout beaucoup joué avec pour voir comment il fonctionnait. Mais j'ai pas encore fait de vrai prod, en tout cas avec ça. Je pense que on peut le faire, c'est assez mûr sur certains aspects. Après, ça reste jeune, ça bouge encore beaucoup, mais je pense que c'est franchement moi quelque chose que je trouve assez sympa, mais pas de vrai prod encore. Il a un an et demi le projet, donc faut ça. Parfois, ça bouge un peu de manière violente en fait sur les évolutions. Oui, ce que met Yann par exemple, voilà, c'est le genre de choses qui peut être super intéressant avec les opérateurs, quoi. C'est d'automatiser
des créations. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça peut être à la fois dans le monde CI/CD, à la fois dans le monde pur d'observabilité, ou comme dit Yann dans le chat, c'est se simplifier la vie de création de stack et de pas forcément devoir faire du Ansible ou du Helm, même si ça marche très bien. Hein, mais voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de question, ce qui n'est pas grave. C'était très clair. Ben en tout cas, je voulais vous remercier de l'invitation, remercier les gens qui étaient au talk, et puis de vous souhaiter une très belle journée avec plein de tracks super intéressantes.